À quelques mois de l'organisation d'un référendum constitutionnel au Gabon, une des étapes clés pour la réussite de la transition en cours dans le pays, ces experts ont jugé nécessaire de vulgariser les enjeux de ce tournant de l'histoire du Gabon. Adopter une constitution, c'est aussi s'assurer que cette constitution-là prévoit des mécanismes qui maintiennent la société stable, des valeurs de probité, de responsabilité. Il y a aussi des enjeux qui sont liés à la condition sociale et économique du Gabonais. Et puis, il y a des enjeux très clairement de citoyenneté. Les atouts et les faiblesses du régime présidentiel, l'une des propositions du dialogue national inclusif pour la nouvelle constitution qui sera soumise à l'appréciation des Gabonais, ont aussi animé les débats. Et il est important aujourd'hui de donner quelques pistes ou bien quelques éléments positifs de ce régime, qui est un régime qui permet la stabilité de nos institutions, dont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif qui ne peut plus démettre le gouvernement, le président de la République également, qui ne peut plus dissoudre le Parlement. Ça permet une certaine stabilité, une certaine indépendance de ces pouvoirs. Maintenant, nous laissons le travail à l'Assemblée constituante du texte qui nous sera proposé, le texte définitif. Et sur la base de ça, je pense que les Gabonais apprécieront. Cette rencontre est intervenue 24 heures après le début des travaux de l'Assemblée constituante, un organe chargé d'amender et adopter le projet de constitution rédigé par le Comité national constitutionnel qui sera soumis au référendum en décembre prochain.